Sans doute pendant l'hiver 1892-1893 que Saunière a trouvé la cache du trésor des Visigoths. Il a conclu un accord avec le prieuré de Sion par l'intermédiaire de l'abbé Boudet. Le prieuré prenait livraison des barres d'or, à charge pour lui de reverser à Saunière la part qui lui revenait. Plusieurs comptes ont été ouverts à son nom ou sous des noms d'emprunt. À Limoux, à Paris et dans d'autres villes que j'ignore. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'abbé Saunière a changé. Mais la commune n'a pas d'argent pour les automobiles. Elle en aura. Monsieur Bott, vous ferez un devis. Si c'est pas moi qui paye. Nous n'avons plus affaire au jeune curé de campagne de ses débuts, partagé entre sa foi et son ambition, mais à un homme sûr de lui, décidé à mener la grande vie. Marie, la petite servante, ne lui suffira plus. Il renouera avec Emma Calvé, la cantatrice. Quelque chose s'est produit en lui au cours de son exploration dans les souterrains de Rennes-le-Château. Saunière a subi une sorte d'initiation à l'envers. Il a rencontré le mal, c'est-à-dire l'argent, la puissance. Il a compris que c'était lui qui gouvernait le monde. Il a accepté, il est passé outre. Quand il est remonté à la surface, il n'était plus le même. C'est un autre personnage que nous avons devant nous maintenant. Un autre mystère qu'il faut déchiffrer. Quand Monseigneur viendra bénir notre église, il ne peut pas arriver par un chemin de campagne. Et ici, nous élèverons un nouveau calvaire, avec un jardin autour. Il faudra des plantes et des fleurs. Il faudra de l'eau aussi. C'est pas les sources qui manquent ici. Il suffit de creuser, n'est-ce pas, Gélis? Le bon Dieu a tout prévu. Bientôt, vous aurez de l'eau à domicile. C'est ça le progrès, monsieur le maire. Marie, j'ai le courrier pour toi. Eh ben, rentre. Tiens, une pour toi, Marie. Tu vois? Mademoiselle Marie Desnarnaud, la mignonne bergère à Limoux. Vêtements pour dame et lingerie, façon de deux corsages. Un pantalon en fil blanc. Arrête! Tiens, ça c'est du chocolat. Il est gourmand, monsieur le curé. Chocolat de qualité supérieure, Guérin-Boutron. Celle-là, j'ai déjà vue. Elle vient de Paris. C'est celle qui sent bon. Donne-moi ça. Elle est pour monsieur le curé, elle n'est pas pour toi. Laisse-moi, Manu, s'il te plaît. On n'a pas fini. Je te dis de me laisser. Et voilà une tour maintenant. Pourquoi faire une tour? La tour Magdala, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nom de notre sainte patronne, Marie-Madeleine. En latin, Maria Magdalena. Ah, c'est du latin. Il faut bien compter un mois et demi, deux mois. Et pour la tour?
Nous manquons de main-d'œuvre, monsieur le curé. Embauchez, prenez les hommes qu'il vous faut. Je veux que tout soit terminé pour la fête de l'Ascension. Tout le village est cul par-dessus tête avec vos constructions. De quoi vous plaignez-vous, monsieur le maire? Bientôt, vous aurez la plus belle commune du département. Les statues sont arrivées. J'y vais. Grâce à moi, vous administrez ont du travail, ils gagnent de l'argent. Et ça vous coûte pas un sou. C'est trop beau, ça. Manu, il y a du courrier pour moi. Je donnais à Marie, monsieur le curé. Bien. Je serai à Rodez jeudi prochain. Je serai à Rodez et de là, jeudi prochain, 4 avril. De là, nous pourrons aller à Cabrières et visiter le château comme tu en as le désir. Je crois que c'est une folie. Mais sans folie, il n'y a pas d'amour. Tu le sais. Et le jour où nous serons raisonnables, c'est que nous ne nous aimerons plus. Les heures qui me séparent de toi me paraissent plus longues que la vie, mon amour. Emma. Tu m'écoutes, Marie? Je t'écoute. Quand pars-tu? Ce soir. Je ne dirai rien. Vous êtes changé dans le train? Je ne pouvais pas quitter ma paroisse civile. Mais les voyageurs qui vous ont vu entrer en soutane et puis réapparaître en complet veston. Il n'y avait personne dans le compartiment. Tant mieux. Et comment vous vous faites appeler? Landau. Landau? Albert Landau. Pourquoi? Je sais pas, c'est le prieuré de Sion qui m'a donné ce nom-là. On m'a ouvert deux comptes courants au Crédit Lyonnais au nom de M. Albert Landau. Il en a de la chance, M. Landau.
Mon abbé, chéri. Voilà, le village de Cabrières est là. Et juste au-dessus de la route, le château. Ah oui, je le reconnais. Nous y sommes, c'est ici. Merci. Vous savez, j'ai appris qu'il était en vente tout à fait par hasard. À mon retour de tournée, j'ai écrit à une voisine qui entretient la tombe de mes parents. Ils sont enterrés là ? Oui. Ils n'ont jamais quitté ce village. Même pour vous entendre chanter ? Une fois pour m'entendre chanter, c'était à Rodez, face aux jeunes filles du collège. J'avais 13 ans. Alors, la voisine vous a écrit ? Non, parce qu'elle ne sait pas écrire. Elle a prévenu le maire, qui m'a donc averti que le château était à vendre. Eh bien, il ne l'est plus. Chantez pour moi. Chantez une chanson de votre pays. Chantez. L'autems va et vient et vire. Et tous ternes différents. Et là, non sai que dire. Tu fais mal ? Non. Il y en a qui mettent des herbes, mais moi, je les connais pas. Tu les connais, toi ? Non. Il revient quand, monsieur le curé ? Je sais pas. Demain, peut-être. Il est pas allé à Paris. Qu'est-ce que tu dis ? Il n'est pas allé à Paris. Comment tu sais ? C'est René qui me l'a dit. Il l'a conduit à la gare. Il l'a vu prendre le train. Voilà. Et il allait où, le train ? Laisse-moi faire. À Toulouse, je crois. Peut-être plus loin. Je vois souvent nos amis, vous savez. Le musicien, Debussy ? Oui, lui et les autres. On parle beaucoup de vous. Et que disent-ils de moi, ces messieurs du prieuré de Sion ? Que du bien. Rassurez-vous. Il paraît que vous êtes un homme exceptionnel. Un grand bâtisseur. Vous avez entrepris de rénover votre église, de bâtir une demeure, une villa, une tour, des routes, que sais-je. C'est vrai ? Vous verrez bientôt, Madame de Cabrières. Mon petit abbé chéri est devenu le baron Haussmann de Rennes-le-Château. Vous moquez de moi. Non, mais vous m'inquiétez. C'est vrai, toutes ces dépenses. Aujourd'hui encore, pour moi. Je vous l'avais promis. Vous rappelez quand nous sommes rentrés, la première fois ensemble. Je vous l'avais même écrit. Si un jour je deviens riche, je mettrai tous les trésors de la planète à vos pieds. Rien que cela. C'est toi qui t'inquiètes de mes dépenses
où c'est le prieuré de Sion. Boudet m'a demandé la même chose. De toute façon, le trésor, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est pas eux. J'aurais pu le garder pour moi. Ne crois pas ça, mon chéri. Ils sont plus forts que toi. De toute façon, je m'en fiche. Leur argent, leur politique, de tout ça. Au début, je croyais que l'Église luttait contre la République. Maintenant, je vois qu'elle fricote avec le gouvernement. Bientôt, on chantera la Marseillaise à la messe. Quelle blague. Non, vois-tu, ce qui m'intéresse, moi, c'est le pays où je suis né. C'est ma vie. On ne peut pas changer les hommes. On peut changer leur vie. Un jour, proche, je ferai de mon village la plus belle paroisse de la terre. On viendra y visiter son église. On se promènera dans son jardin. J'inviterai des amis. Je les logerai dans la grande maison que j'aurai fait construire. On y donnera des repas, des fêtes pour tous. Je serai là. Je suis heureux. Je voudrais que mon église embaume comme un reposoir. Lorsque j'étais enfant, à la fête Dieu, l'église était pleine de fleurs. L'odeur était si forte qu'elle me tournait la tête. Et je me disais, le paradis, c'est peut-être ça. Une maison pleine de fleurs. C'est ça, notre maison. Bon, allez, dépêche-toi. Va placer tes invités, on est en retard. Alors, au premier rang, Monsieur Guillaume. Bonjour les enfants. Donc, le représentant de la Maison de France, le président de la Fédération catholique et l'abbé Boudet. Ta chanteuse, tu la mets. Quand je suis arrivé dans cette église, le premier jour, il y avait des poules. J'ai dit à Dieu, voilà ce qu'ils ont fait de votre maison. Je jure par tous les saints du paradis, tu vas la rendre plus belle qu'au premier jour. Et voilà. Sauve-toi, Marie, sauve-toi. Terribilis et locus ist. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du latin. Terribilis est locus iste. Ce lieu est terrible. Terrible? Je suis chargé de vous transmettre les vœux de prospérité de Monseigneur Henri, chef de la Maison de France. C'est le Samuel de Lyon, notre petit abbé de Lyon. Quelle joie, madame, de vous voir ici, chez moi. Une joie partagée, monsieur le curé, croyez-le. Vous souvenez-vous de moi, monsieur le curé? Et je remercie son Altesse impériale des bienfaits que j'ai reçus de monsieur Guillaume. Chut. Ne connaissant que monsieur Guillaume ici.
Il n'est pas, dans la vie chrétienne, de circonstances plus touchantes pour le pasteur d'une paroisse et pour le troupeau confié à ses soins que la venue de leur évêque. C'est quoi ça, Justine? C'est du salé. Le salé, tu le mets sur l'autre table, s'il te plaît. Et là, tu poses le sucré. Voilà. Tu fais bien le tour de la table, hein. Après ces verres, il faut absolument que vous essuyez les autres de l'autre côté. Valérie, ça, tu poses là, s'il te plaît. Et tu vas me chercher les serviettes. Ça va, t'en as assez? Oui. René? Tu vas me chercher de la glace et tu le mets dans les sous. D'accord. Merci. Oh, c'est beau, Marie Guido. Elle est arrivée, la garce. Tu l'as vue? La chanteuse. Pourtant, il est bien légitime que votre Excellence demande à celui qui tient ici sa place un compte fidèle de son administration. Nous y voilà. Que va-t-il dire? Depuis mon arrivée à Rennes-le-Château, je n'ai eu qu'une seule ambition. Faire de cette église un temple digne de celui qui emplit l'immensité de sa présence. Audaces fortuna juvat, disaient les anciens. Je me suis mis courageusement à l'ouvrage, soutenu en cela par les habitants du peuple de Rennes-le-Château. Le résultat, Monseigneur, le voici. Tout cela, je le dois un peu à mes paroissiens, beaucoup à mes économies. Et plus encore à la générosité de certaines âmes étrangères à la paroisse auxquelles je me permets d'adresser ici, en votre nom, un sincère et profond. Et voilà pourquoi votre fille est muette, muette comme une tombe. En ces jours où nous célébrons l'ascension du Sauveur, je vous invite à élever vers le ciel le chant de reconnaissance. Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus, Te T'inquiète pas, petit. C'est un bon diable. Notre curé l'aura oublié dans son homélie. Qu'est-ce que vous racontez? Oh, des bêtises. Ce lieu est terrible. Cher enfant, je vous dois un aveu.
C'est la dernière fois que vous me voyez dans l'exercice de mon ministère. Sa sainteté a désigné mon successeur. Il entrera en fonction le mois prochain. Comment est-ce possible? C'est ainsi. Tout a une fin. Nous perdons un protecteur. Allons donc. Il vous reste le bon abbé Boulet. Il saura vous aider. Dans la faible mesure de mes moyens, monseigneur, je vieillis. Allons donc. La carcasse est bonne. Et puis, le principal est fait maintenant. Je n'ai pas besoin de vous recommander la plus extrême prudence avec votre nouvel évêque. Je ne connais pas personnellement Monseigneur de Beauséjour, mais ce que je sais de lui m'incline à penser qu'il ne partage pas nos idées. Vous me comprenez? Sans doute s'étonnera-t-il de toutes ces magnificences. Soyez discret dans vos explications, comme vous avez su l'être avec moi. Je crains, hélas, qu'il ne témoigne pas de la même bienveillance. Enfin. Adieu, l'abbé. Veillez sur lui. Dieu vous garde, mon fils. Un saint homme. Qui nous lâche. Oh non. Si. Je sais pas. Un lead. Non. Si. Oh, du Verdi, par exemple. Du Verdi à 4 heures l'après-midi. Oh. Bon, alors. Comment s'appelle cet air que la Bessonnière aime tant? Le. À l'hôtel. Voilà. Voilà. L'hôtel. Bon. Si tu veux. Mais est-ce que tu sauras m'accompagner? Alors ça, j'en suis moins sûr. Ça fait 10 ans que j'essaie d'être un bon pianiste. Attends, si mi la, si mi... Là, c'est en la bémol mineur. Ouais. Est-ce que le piano est accordé? Oui, je pense. Bon. Très bien. Alors... Ellie, vous nous quittez. Je reste avec vous par la pensée. Vous voyez grand, Sonnière. C'est un reproche? Non. Mais je pense à l'avenir. Plus belle la réussite, plus dure sera la chute. Pourquoi? Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le prieur et on cherche un secret. Vous avez découvert l'une des portes qui donne accès au trésor. Mais il y en a d'autres. Lesquelles? Qui les connaît? Tu la regardes, hein? Elle est belle. Moi, tu ne me vois plus.
Vous avez semblé indiquer, Monseigneur, que je ne remplissais pas régulièrement les fonctions ecclésiastiques dans ma paroisse de Rennes-le-Château. Ma conscience me rassure amplement. Les dépenses que j'ai faites pour la réfection de l'église ont été couvertes par mes économies. Mes économies. Qu'est-ce que c'est ? Des factures. J'ai pas le temps. Il y en a qui réclament. Qui réclame ? Le menuisier est venu, on lui doit 24 journées d'ouvrier. Il attendra. Où est passé l'argent ? L'argent ? Quel argent ? Ne fais pas l'innocent. Celui que tu as donné à ta garce de chanteuse. Tu crois que je le sais pas ? Le château que tu lui as payé, et le reste, les toilettes, les bijoux, et tout ce que tu dépenses pour la villa, les vins, les alcools, les rideaux, il en arrive de partout, tous les jours. Et moi, pendant ce temps-là, je n'ai rien. Tais-toi, Marc. Pas un sou. T'es devenu fou, Béranger. Tout le village le dit. Tais-toi ! Non, je ne me tairai pas ! J'ai toujours été avec toi. J'ai travaillé, je t'ai aidé. J'ai remonté l'or, moi aussi. Et la nuit, quand t'as ouvert le cercueil de la dame, j'étais là, j'avais peur. Tu l'as oublié, Béranger. Un jour, tu m'as dit, mon bien, c'est ton bien. Ma vie, c'est ta vie. Et maintenant ? Et maintenant ? La brûlure. Elle est toujours là. Merci. Monsieur le curé est-il chez lui, ma fille? J'espère que je ne le dérange pas, j'arrive de Carcassonne. Pour le voir, je m'appelle Monsieur Thibault. Oui, entrez, c'est par là. Vous avez une bien belle paroisse, monsieur le curé. Belle dans sa situation, mais aussi par les aménagements que vous avez su y apporter. Je les ai admirés en remontant de la gare de Cuisa grâce à l'obligeance d'un paysan qui m'a conduit dans sa carriole. Je n'ai pas été averti de votre venue. Sinon, je serais venu moi-même. Je vous en prie. C'est l'habitude. Nous aimons surprendre. Quand Monseigneur m'a chargé d'instruire votre dossier, j'ai jugé utile que nous nous rencontrions. Un contact personnel, une conversation à cœur ouvert dissipe bien des malentendus. Le malentendu n'est pas de mon fait, monsieur l'abbé. J'en suis sûr. Oui. Pour vous parler franchement, je dois dire que je suis peiné, choqué même, par les soupçons qu'on fait peser sur moi. Quels soupçons ? Alors que, depuis 15 ans, je consacre toutes mes forces, je dépense toutes mes économies pour l'amélioration de ma paroisse, pour la plus grande gloire de l'Église, au lieu de m'en savoir gré, on me demande des comptes. La demande est légitime. En quoi ? N'ai-je pas le droit d'utiliser, comme je le veux, l'argent dont je dispose ? Vous avez le devoir aussi de nous dire quelle en est la provenance. Je l'ai dit. Mes économies, plus des dons de quelques âmes généreuses. Peut-on savoir leur nom ? Ils ont voulu conserver l'anonymat. Je dois respecter leurs vœux. C'est regrettable. Jélis, il y a un prêtre qui demande des comptes.
Je ne les ai pas, Marie, tu le sais. Monsieur le curé a gardé toutes les factures. Ce n'est pas les factures qu'il veut. C'est l'argent pour les payer. Je ne comprends pas. Il faut dire avec quel argent on a payé. Avec quel argent? Je l'ignore, moi, avec quel argent. Qu'est-ce que tu me demandes là? Il faut l'aider. Gélisse, il faut aider monsieur le curé. Vous pouvez inventer quelque chose, je ne sais pas, moi. Une somme d'argent qu'on vous aurait donnée. On l'écrirait sur le livre. Je regrette votre attitude, monsieur le curé. C'est le tribunal qui tranchera. Je présenterai ma défense. Vous recevrez dans quelques semaines la convocation de l'officialité. Je vous quitte. Je vous accompagne. Non, merci. C'est une promenade pour moi. Je me dis souvent comme il est agréable de vivre en contact avec Dieu au sein de la nature. Pour nous autres gens de la ville, nous sommes privés de ses joies. Et j'ai pensé à une chose, Gélisse. J'ai gardé un carnet pendant quelques années où j'ai noté mes honoraires de messe. Il en faudrait beaucoup. On en rajoutera. 200 ou 300 messes par année. À 1 franc ou 1 franc 50 chaque messe. Certaines sont à 2 francs. S'il y en a trop, on vous accusera de ne pas les avoir dites. C'est encore plus grave. J'en ai connu qui ont été condamnés pour moins que ça. Gélisse, on a trouvé de l'or. Marie. Ne craignez rien, monsieur le curé. Je le savais. Gélisse ne parlera pas, j'en suis sûr. Il sait. C'est déjà trop. Vous avez été imprudent. Fallait bien que je trouve un moyen de me défendre. Ce n'est pas le bon. Vous êtes lancé dans une aventure que je n'approuve pas. Toutes ces dépenses, ces travaux, ces réceptions ont attiré l'attention de l'Église sur vous. L'Église ne veut pas de scandale. Le prieuré non plus. Et ce qui veut dire? Ce qui veut dire que je ne peux pas intervenir auprès de l'évêché. Rome a fait la paix avec la République. La République se prépare à la guerre avec l'Allemagne. Vous ne lisez pas les journaux? Je ne vois pas le rapport qu'il y a entre une guerre et mon procès. Vous connaissez les relations que nous entretenons avec la maison d'Autriche. Vous-même, vous avez reçu un certain monsieur Guillaume. Il vous a donné de l'argent. Continuez de le faire sur un compte ouvert à votre nom. En cas de conflit, nous pourrions être soupçonnés d'intelligence avec l'ennemi, ce qui serait fâcheux. Avouez-le. Il y a d'autres portes, paraît-il. De quoi parlez-vous? Du trésor. Élie Solo m'a dit qu'il y avait d'autres portes. Est-ce que vous les connaissez? Vous voyez mon état, Saunière? Je suis un malade, un vieil homme, qui n'attend plus que le moment du repos. Je pense davantage à l'autre monde qu'à celui d'ici-bas. Quand le moment sera venu, je vous ferai signe. Mais pas avant. Soyez tranquille. Veillez bien sur lui, Julie. Je crois utile de vous signaler que par une indiscrétion malheureuse, le marguillier de la paroisse de Rennes-le-Château, un certain Gélisse, a été mis au courant de l'existence du trésor. Vous ici. Nous sommes chez nous, l'un et l'autre ici. Emma? Une visite?
Elle arrive. Vous connaissez les lieux? Bonjour, Béranger. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Et toi? J'ai hâte de parler. Je croyais que tu serais seule. C'est un reproche? Non. Regret. Pardonne-moi d'arriver si mal. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon abbé chéri? Tu as des ennuis? Oui. De gros ennuis? De gros ennuis. Le prieuré me lâche. Non. Mais enfin, tu peux te défendre. Comment? Je ne peux pas justifier mes dépenses. Je n'ai aucune preuve. Si je dis qu'on m'a fait des donations, on me demande qui, comment, pourquoi. Mais je ne sais pas, un héritage. Il y a toujours dans les villages une vieille bigote très riche, amoureuse de son curé, non? À Rennes-le-Château. Ce sont des pauvres. Non, le seul moyen, c'est d'arrêter le procès. Tu m'as dit un jour, ils sont plus forts que toi. Eh bien, qu'ils le prouvent. Demande-leur. Moi? Oui, tu les connais, Jules Bois, Offet, Debussy. C'est des amis à toi. Le prieuré doit sûrement avoir des hommes à lui à Paris ou à Rome. Une intervention de Rome. Et tout s'arrête. Et sinon, qu'est-ce que tu risques? Le pire. L'évêque peut me suspendre de ma fonction, m'interdire de culte, nommer un autre curé à ma place. Tu ne serais plus ton abbé chéri? Attention, on pourrait nous voir. Qui? Ton amant? Oh, tu es bête. Il est bien ton amant, hein? Jules Bois m'est très attaché, oui, c'est vrai. Mais il ne lèvera pas le petit doigt pour me sauver, ni toi non plus. Mais écoute, Béranger, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, je n'ai pas le pouvoir sur le prieuré. S'ils ne veulent pas t'aider, c'est je... Fond. Tu m'aimes pas. Sois raisonnable, écoute, je t'en prie. Je suis raisonnable. Tu es raisonnable. Rappelle-toi, les jours nous serons raisonnables. Nous ne nous aimerons plus. Il y a encore un bout de chemin jusqu'à Rodez. Vous êtes de la région? Non, pas vraiment. Moi, je desserre la paroisse de Buzac. C'est un petit village à 3 km. La commune est grande, il y a beaucoup de fermes aux alentours. Alors, je fais ma tournée. Je connais ça. Vous êtes représentant? Si on veut. Moi aussi, dans mon genre. Je ne vends rien, mais parfois ça rapporte. Pas d'argent, des soucis. Je vais chez les gens, ils me racontent leurs histoires, comment va la santé, le temps. C'est le vieux qui est malade, ou bien la vache n'a plus de lait. Ah, on a volé un mouton, le soleil a grillé la récolte, l'orage a noyé la vigne. Toujours des malheurs, c'est ça la vie des hommes. Qu'est-ce que vous leur dites? Rien, je les écoute. Des enfants grimpent sur mes genoux, je leur apprends des chansons. C'est pas ce que vous en pensez de l'existence, monsieur. Moi, j'ai tout quitté pour devenir prêtre. Ma famille, mes amis, ma maison. Et je vis tout seul dans un pays que je ne connais pas. Vous êtes heureux? Oh oui, je fais le plus beau métier du monde. Je chante la gloire de Dieu. Je ne sers à rien. Oui. Vous êtes arrivé. Vous n'avez que la côte à descendre. Vous passez devant l'église Saint-Pierre. Vous suivez le boulevard à droite qui vous conduit à la gare. Je vous remercie, monsieur le curé. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Voulez-vous me bénir? C'est Dieu qui vous bénit par ma bouche. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
N'oubliez pas la parole du Christ. Je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles. On peut être tranquille. Aie pitié de moi, mon Dieu. J'ai voulu posséder cette femme. J'ai aimé son corps, mais j'ai perdu mon âme. Et maintenant, je n'ai plus rien. Mon Dieu, aidez-moi. Donnez-moi la force de revenir vers vous. Donnez-moi la force, comme ce jeune prêtre, de tout quitter et de retrouver la joie. Aidez-moi, mon Dieu. Il est mort. Il est tombé de là-haut. Comment ? Il se faisait vieux ? Il était solide comme un roc. Je célébrerai le service demain. Ne dites rien à sa femme. J'irai la voir. Pauvre Gélis, c'est moi qui t'ai tué. Armée de terre et armée de mer, ordre de mobilisation générale. Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires. Le premier jour de la mobilisation est dimanche 2 août 1914. Ayant entendu l'acte d'accusation de monsieur le promoteur de l'officialité reprochant à monsieur l'abbé Saunière la désobéissance à son évêque, le trafic des messes et les dépenses exagérées et non justifiées auxquelles il s'est livré dans le territoire de sa paroisse, condamnons monsieur l'abbé Béranger Saunière à une suspense à divinis pour le diocèse de Carcassonne. Il y a un trou dans la vie de Saunière, une période d'un an depuis la déclaration de la guerre de 14, sur laquelle nous n'avons aucun renseignement. Qu'a-t-il fait après sa condamnation? Comment a-t-il vécu? Pendant l'hiver 1915, on le retrouve à Toulouse, dans un hôpital militaire. Saunière vit d'expédient. Il vend aux soldats des chapelets bénis, des médailles miraculeuses. Marie leur raconte des histoires. Elle a toujours dans son sac des herbes magiques ou un élixir de longue vie. En échange, on leur offre la soupe et le quart de vin. Un jour, au mois de mars... Un message pour vous, père Béranger. C'est un prêtre à la basilique qui me l'a remis. Je crois que c'est urgent. Quand le moment sera venu, je le précise. Mais pas avant. Je
Soyez tranquille. Comment va-t-il? Vous verrez. Ma vie. J'ai travaillé pour la vérité de notre religion. Sonia. Maintenant, je vais vous le dire. C'est un trésor qui n'a pas de prix. Approchez-vous. Secret que Boudet a confié à Saunière sur son lit de mort.